raconter l'histoire de la grosse faim de Petit Bonhomme. C'est le matin. Dans la ville, il y a une rue. Et dans la rue, il y a une maison. Dans la maison, il y a une chambre. Et dans la chambre, il y a un lit. Dans ce lit, il y a un petit bonhomme. Et dans Petit Bonhomme, il y a un ventre vide. Petit Bonhomme sort de son lit, de son pyjama et enfin de sa chambre. Il entre dans ses habits et descend à la cuisine. Il ouvre le placard. Vide. L'armoire, vide aussi. La huche, complètement vide. Alors, petit bonhomme, comme il a faim, il court à la boulangerie. Il ouvre la porte et dit au boulanger « Boulanger, boulanger, s'il te plaît, donne-moi du pain parce que j'ai faim. » « Petit bonhomme, t'es gentil, » répond le boulanger. « Mais moi, le pain, je le donne pas. Je le vends, c'est comme ça que je gagne ma croûte. » Bon, alors, petit bonhomme sort son porte-monnaie. Il est vide aussi. « Ben, moi, j'ai pas de sous. » « Ah bon, oui, d'accord. Écoute, voilà ce que je te propose. Ramène-moi de la farine et je te donnerai du pain. » Alors, petit bonhomme, il court au moulin. Il court, il court, il court. Et arrivé au moulin, il est tout essoufflé. Et dit au meunier, « Meunier, meunier, donne-moi de la farine, je la donnerai au boulanger et il me donnera du pain parce que là, j'ai faim, j'ai très très faim. »« Et petit bonhomme, » répond le meunier, « moi la farine, je la donne pas, je la vends, mais je moue pas pour rien. Mmh, »« Ouais, mais j'ai pas de sous. »« Ben voilà ce que je te propose, ramène-moi du blé et je te donnerai de la farine. » Alors petit bonhomme, il repart en courant. Et il va à la ferme. Et tout essoufflé, il trouve le paysan. Il était juste entre son béret et ses bottes en caoutchouc. « Paysan, paysan, donne-moi du blé, comme ça je pourrai le donner au meunier qui me donnera de la farine. Et je pourrai le donner au boulanger qui me donnera du pain, parce que là, j'ai très 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 faim. »« Oh, petit bonhomme, » répond le paysan. Le blé tombe pas du ciel, il sort de la terre. Et il faut l'aider à pousser. Et pour ça, moi, j'ai besoin de crottin. Alors, ramène-moi du crottin et je te donnerai du blé. Ok, petit bonhomme, dans ce cas, il part en courant pour retrouver le cheval. Et il court. Et là-haut, le soleil brille. Il est déjà midi. Petit bonhomme a très faim. En bas, il court à la pâture. Quand il arrive, il trouve un énorme percheron. Son derrière est tellement gros qu'on le voit devant. Pas de souci, on est à la bonne adresse. Cheval, cheval, donne-moi du crottin que je pourrai donner au paysan, qui me donnera du blé, que je pourrai donner au meunier, qui me donnera de la farine, que je pourrai donner au boulanger, et enfin, je pourrai avoir du pain, parce que là, j'ai vraiment, vraiment très, très, très faim. Mais moi, je veux bien, répond le cheval. « Mais j'ai plus rien à manger. Il fait trop sec. Donne-moi de l'herbe bien verte et moi, je te donnerai du crottin. » Alors, petit bonhomme se penche et cherche au sol de l'herbe. Mais tout est sec. Alors, il murmure à la terre. « Terre, terre, donne-moi de l'herbe, que je donnerai au cheval qui me donnera du crottin, que je donnerai au paysan et qui me donnera du blé, que je donnerai au meunier et il me donnera de la farine, que je pourrai donner au boulanger qui me donnera du pain, parce que là, j'ai très, très, très faim. » Et la terre lui répond,
Bah, je voudrais bien, mais je peux pas. J'ai si soif. Donne-moi de l'eau et je te donnerai de l'herbe. Alors, petit bonhomme va à la rivière. Et on peut dire que la rivière, elle se la coule douce. Rivière, est-ce que je peux te prendre de l'eau? C'est pour la terre, elle est toute sèche. Ah? Oui, s'il te plaît. Je donnerai l'eau à la terre qui me donnera de l'herbe. Et je la donnerai au cheval qui me donnera du crottin. Que je donnerai au paysan qui me donnera du blé. Que je donnerai au meunier qui me donnera de la farine. Et que je pourrai donner au boulanger pour qu'il me donne du pain. Parce que là, j'ai vraiment très, très, très faim. Mais moi, je veux bien. Mais tu vois, ce matin, j'ai pas eu le temps de faire mon lit. Si tu m'aides à tout ranger, je pourrai te remercier. Alors, petit bonhomme s'est mis au travail. Il a réarrangé les galets, il a retiré les branches et il a nettoyé toutes les bordures. La rivière est toute propre à présent. Ça fait plaisir, dit la rivière. Tu peux te servir maintenant. Oh, merci. Ah, mais que je suis sot, je n'ai pas de seau. Pas grave, je vais prendre mon chapeau. Petit bonhomme écope une grande chapeautée d'eau et la livre à la terre. Elle boit et elle soupire d'aise. Encore, s'il te plaît. Petit bonhomme va reprendre une deuxième chapeautée, une troisième, et la terre laisse s'échapper. Ça va mieux. Aussitôt, une belle pousse verte et juteuse sort de la terre. Petit bonhomme en coupe une bonne brassée. Merci la terre! Petit bonhomme file comme le vent jusqu'à la pâture et dépose un tas d'herbes devant le cheval. Aussitôt, le cheval se met à manger. Et broute, et broute, et mâche, et mâche, et broute, et broute, et ah, ah, ça vient, ça vient. Alors, petit bonhomme fait vite le tour du cheval, il se retrouve derrière son derrière, et au moment où la queue se soulève, mince, j'ai toujours pas de seau. Bon, c'est pas grave pour le chapeau. Pof, 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 un bon crottin tout noir. Il sent si bon, et il tombe dans le chapeau. Merci cheval! Le cheval ne lui répond pas parce qu'il a la bouche pleine. Petit bonhomme file comme une flèche chez le paysan. Il échange le chapeau de crottin contre des grains de blé. Et merci paysan. Et il file comme une hirondelle sur la colline. Il échange le sac de grains de blé contre un sac de farine. Merci meunier. Enfin, il file comme un éclair, un peu fatigué chez le boulanger. En voyant la farine dans le sac, le boulanger le remercie et lui donne une belle miche de pain. Merci boulanger. Petit bonhomme est rentré chez lui. Il s'est assis, il a senti son pain, il a souri. Il en a mangé une partie parce que l'autre était pour les souris. C'était la nuit, il est allé au lit et il a bien dormi. Et demain? Demain deviendra bien assez vite aujourd'hui. Et à chaque jour suffit sa peine, son pain et son plaisir. C'est ainsi que l'histoire se finit.